Ce matin, dans la presse, hein, vous imaginez bien que les élections font la une. Le Figaro se concentre sur son champion et déclare que l'imperdable a perdu, l'impensable s'est imposé, l'impossible est advenu, la droite est chaos. Dans le reste de la presse, les analyses convergent vers le même point, finalement bien résumé par le quotidien britannique Le Guardian ce matin. Quel que soit le vainqueur dans deux semaines, la France est sur une nouvelle voie politique. Avec une autre convergence dans la presse bah, ils matin. Sont bon Guardian, ah ouais. dit, ils sont bons dans le gardien, Finalement, c'est quand même l'analyse la, la, qu'on retrouve un petit peu partout. Oui. Euh, celle de la fulgurance du destin politique d'Emmanuel Macron. Libé parle d'une OPA menée en un an et sept jours. Et ici et là, on use pour parler du candidat de En Marche de beaucoup de métaphores spatiales, comme si Jacques Cheminade avait malgré tout infiltré la présidentielle par le champ lexical, la fusée Macron, dit le Parisien. Un météore sous une bonne étoile, titre aussi La croix, mais la meilleure métaphore spatiale revient quand même au Gorafi, justement à propos de Jacques Cheminade, qui disait hier, battu une troisième fois à la présidentielle, Jacques Cheminade quitte la Terre et se transforme en comète, quitte à aller dans l'espace et à prendre de la hauteur de vue sur cette présidentielle qui ouvre donc une nouvelle voie politique. On peut lire l'intéressante interview de Laurence Lessig sur une nouvelle politique tout court disponible sur le monde.fr. Alors que l'expression vote utile est encore sur toutes les lèvres et dans tous les papiers, l'un des principaux penseurs d'Internet réfléchit à comment rendre la démocratie beaucoup plus représentative et il avance quelques pistes intéressantes. Il parle notamment d'expériences menées aux États-Unis où vous allouez votre vote à certaines personnes pour certains sujets. Par exemple, vous pouvez décider qu'une personne vous représente pour les questions fiscales et une autre pour les questions environnementales et c'est une expérience selon lui impossible à mener sans la technologie à laquelle d'ailleurs il n'accorde pas du tout une confiance aveugle. Il estime par exemple que le ciblage très exact des électeurs en partant des données, eh bien c'est pas bon pour la démocratie puisque ces techniques permettent d'adresser exactement aux gens le message qu'ils ont besoin d'entendre pour qu'ils se disent ah lui, c'est mon gars C'est l'assurance de cibler vraiment les gens que des gens finiront déçus et en colère. On a besoin de politiciens authentiques qui font ce qu'ils promettent. Vous ne pouvez pas faire ça si vous vous séparez en 50 000 versions de vous-même. Toujours dans cette idée qu'on vient d'enterrer 60 ans de tradition politique française, il y a partout ce matin dans la presse l'idée qu'il faut refonder. La droite pour le Figaro, la gauche pour les soutiens de Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. On cite d'ailleurs dans l'Ibé le discours de Jean-Luc Mélenchon vous, les gens, vous êtes un matin tout neuf qui commence à percer. Une identité forgée dans l'opposition, c'est exactement ce que Libé décrit dans un grand papier aujourd'hui, consacré aux Indiens américains dont l'activisme flambe à nouveau depuis le combat contre l'oléoduc de Standing Rock. Sur cette terre Standing Rock, qui porte un héritage de lutte indienne très fort, Sitting Bull y a été assassiné, Bigfoot et 300 Indiens, femmes et enfants y ont été massacrés. C'était par l'armée américaine en 1890. Et bien malgré leur défaite, l'oléoduc est en cours de construction. La colère a recréé un mouvement moribond. L'article termine sur ces mots. Les nations autochtones sont unies ici et partout dans le monde. Le combat n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Et puis pour terminer cette revue de presse, si on veut jouer à se faire peur en imaginant une France toute fermée sur ses frontières à la recherche d'un passé imaginaire perdu, on peut lire l'amusant reportage du Figaro qui raconte que beaucoup de touristes viennent en Corée du Nord, des touristes chinois. Et bien pourquoi C'est une manière pour eux de remonter le temps, de voir à quoi ressemblait leur pays dans les années 60, de ressentir le frisson de l'aventure et de s'apitoyer sur le sort des Nord-Coréens. Quelle pauvreté, ils n'ont rien, lit-on. Oh, comme je suis contente d'être chinoise, lit-on encore. Le défi peut-être justement des années à venir consiste à pouvoir dire oh, comme je suis content d'être français et pas le contraire.